devant la question nouvelle. Mais nous ne pouvons pas nouvelle l'enjeu après ça pour vous inviter. Parce que moi, j'ai ça qu'on y a à la mode. Mais c'est vous, s'il vous plaît. Sénateur Benoît, on a pas annoncé. Parmi les gens qui t'a assassiné Jovenel Moïse. Les plus connus. Je vais vérifier. Blanc, viens chercher. Quatre pieds importants, yo fait mon avion. Kounia, yo parle avec yo. États-Unis. Mettez pour nous. Flash général. Bali Bolova. Information de dernière heure. Un événement quelque part, toujours en direct sur Scoop FM pour un flash d'information. Flash d'information. Kounia, m'obligé. Fais effort. Pour m'a chercher contre qui non moun ça. Mais quatre non moun ça yo. Semble maintenant parmi eux, un pasteur avec une qui était haïtien, haïtiano-américain, et de l'autre qui était porte-parole, etc. Créole parler, créole comprendre. Comme c'est quoi, nous ne pouvons pas éviter de vous ça. Ok, sénateur Benoît. Réaction, sénateur Benoît. Si c'est vrai, il a confirmé que non, moun qui était assassiné, qui était en prison, et autorité américaine vient prendre 4 là-dedans. Qui je nous analyser ça comme sénateur, comme ancien premier ministre, comme citoyen et comme monde qui est responsable parti politique. Eh bien, Gary, plus clair, oui. Ça a montré encore une fois, c'est pour l'exemple, unième exemple, la faillite de l'État haïtien. Voilà un crime qui a 18 mois depuis le faire prêter sur le sol haïtien. Un président haïtien pourri. Sous cabane la caille, en présence de madame qui était dans la chambre, un caille qui a supervisé par au moins 20 agents de ces 20 policiers lourdement armés, en principe qui est training pour faire la bataille, la paille de CAP, la paille de USGPN, la paille de USP qui est en gang, la paille de Simon ou Udmo et la police nationale qui est dehors. Et nous, quand nous les cortèges présidents passés, c'est là les points sur la rue, là les points, ils ont fait pour monter sur vous, mais j'y ai pas un sirène, l'obéi, monter sur les âmes pointées sur la population, là les points, là les points. Et puis, jour où le président mourit, tout le monde mettait quoi sous côté, ils ont quitté lâchement deux fois Macabo, entré en deux chambres présidents, ils ont lâchement ça. Moi-même, là, nous autres, oui, là, dans ma mère, là, ouais, c'est effectivement deux à trois haïtiano-américains avec un colonel colombien de monter. Moi-même, m'attends, mais je continue tout soif moi, parce que DCPJ te font premier rapport. Grand juge qui demande une commission oratoire pour continuer à approfondir le dossier. Malheureusement, il y a un pile jeune chevronné. Et investigateur de DCPJ, qui te prend pression, le même régime, ça, la joie, est obligé de quitter ça, quitter le pays à réfugier en Grande-Bretagne, au Canada. Et ça, on ne va pas prendre ce coup de mais au titre de ça. Donc, je veux dire, ça fait un peu de tristesse qu'on a constaté faillite totale l'État. 18 mois plus tard, où il y a près de 50 personnes qui sont en prison, probablement il y en a des qui sont innocents. Qui ne peut jamais paraître devant un juge naturel, mais deux fois paraître devant un juge de la première instance, cinquième juge là, mais guéri jusqu'à présent, qui ne peut jamais arriver paraître devant un juge naturel là, qui a coupé dans la prison pénitentiaire nationale, et pour me compte pénitentiaire nationale, en tant que membre de la commission de droits humains, mesdames, députés et sénateurs, c'est pour tu vas ici, faire un jour en de prison, aller voir 18 mois en de prison, pendant que vous êtes innocent. Donc, c'est dommage, ou est-ce que les Américains, encore une fois, qui sont obligés de venir prendre un monde ici pour aller juger mon l'autre bord, alors que après, crime n'a fait sous soi national, là encore son dégât et son message flagrant, message, qui sont tout, yo bail autorité étatique, pour dire yo yo pas à la hauteur, yo incompétent, yo incapable, yo corrompu, yo pas fait justice ou confiance. Ils n'ont pas fait exécutif pour confiance. Ils n'ont pas fait l'État haïtien confiance. C'est ça que ça a eu. Donc, on est obligé de prendre 4 mois pour aller sur l'autre bord. Alors que Haïti, nous déconnons, pas gagné un yé là, avant peut-être
bon démocratique là, avant de pas être compétent, vient prendre le pouvoir judiciaire d'action. On le pense que dans les années 30, 40, 50, nous avons des juges hautement qualifiés. Ça, c'est un petit dossier. Dans moins d'une semaine, les recherches criminelles ont bien comme abouti à la roue. Et juges compétents que nous avons gagné, ont bien entendu tout le monde qui est élexé. Et puis, ont bien une sanction qui prend contre tout le criminel. Donc, moi-même, je suis tweet à l'heure de Mme Jacqueline Chol. Bon, si pas faire ni joli frère, on est consultable fini. Et pas oublier que le Parlement américain, la Chambre des représentants américains, depuis, ça fait peut-être un an que ils ont demandé FBI pour bail contrôle. FBI a été promis d'avoir la première semaine de juin 2022. 7 mois plus tard, même FBI, dossier a collé. Il faut que j'aime quand on est Chambre des représentants américains et résultat enquête. Donc, nous comprenons ça comme ça. Vous comprenez son gros complot international contre Haïti, côté que le président nous mourit, le monde qui vous connaît comme mourit, et moi-même, malgré que nous tenons opposition farouche à Jovenel Moïse et à Michel Martelly, à tout régime PHTK, moi-même, en tant que pacifique, parce que moi-même, je ne peux pas faire politique, et peut-être là, peut-être, je ne sais pas, et politique là, moi, j'en ai fait, il n'y a pas qu'à tout vous, monsieur Do. Et qui ont une ligne technique là-dedans, ou qui ont droit en face au gouvernement, ou qui ont droit critiquer, ou qui ont droit même porter plainte, ou qui ont droit dénoncer, et pour toujours qui ont dossier bien documenté, ou le droit interpellé, ou bien convoqué au gouvernement, ou qui ont tout dossier bien préparé, ou la population qui dévoile à représenter le gouvernement pour son travail technique à faire. Son travail bien fait. Maintenant, j'ai tout aimé le travail qui est fait. Et c'est ça que j'ai peut-être même estimé de loin que je vous dis. Donc, Gary, c'est où il a dit son chapitre, vraiment son chapitre triste dans l'histoire d'Haïti. Côté au président pays, il mouri. Coupable, tout le monde connaît qui est qui a l'air par exemple. On va déjà chercher trop loin. DCPJ, c'est qu'a dit nous. DCPJ, il y a un outil. Pour le terrain, deux mouns, trois mouns, même deux, c'est pas deux, citoyens américains ou colombiens, deux, trois haïtiens, qui n'en met, qui n'en met juste ça, mais qui ont là, le pays articulé librement, on y questionne deux, trois mouns, ils ont mis, nous répondre à la question pour la mandéa, qui est-ce qui planifie le mot président, qui est-ce qui finance, qui est-ce qui tue, il y a deux, trois haïtiens qui là, qui ont passé librement à l'occupation, qui ne peuvent pas répondre. Mais comme c'est pas alors, sénateur Steven. Comme c'est pas pour ça, mais vite aujourd'hui. Oui, sénateur Benoît, avant, pendant la ferme parenthèse, non, est-ce que vous ne pensez pas que si Américain vient prendre et en fait, quatre mouns parmi les mouns qui sont plus importants, même si, selon Peuple Haïtien Attaka, dit tout le monde qui est dans la prison est important. Même ça qui est innocent est important parce que faut qu'il prouve qu'il est innocent. Et moun qui coupa bio ou bien complice, yo gen des informations qui yo kap founi. Est-ce que ça pas ta vle di, reste moun ki nan prison yo, pral commencer fait fête parce que la justice haïtienne pral finalement libérer yo sous prétexte que moun ki te plus important yo ki te nan city yo aux États-Unis qui t'a planifié assassinat là. Donc comme américain vinn prend yo, donc reste qui est dans prison, donc yo même yo pas trop important et puis après quelques mois et vous tendez à libérer tout le monde qui était en bas dans la pénitentiaire. Bon, là encore, c'est ça. Je ne parle pas là de ça, de la transition de rupture là. Notre transition de rupture, justement, justice là, c'est justice pour tous. C'est justice pour tous et justice à tout le monde, justice à Dieu. Je veux dire là, où il y a 4 personnes qui planifient, mais je rappelle nous, dans 4 personnes qui montent, il y a un citoyen colombien, un colonel de l'armée, retraité, et 3. C'est des haïtiano-américains, donc c'est 3 américains qui ont un passeport américain. Donc, américains viennent pour aller là, Kaili, ils maintenant, ils peuvent appliquer justice américaine contre 3 citoyens qui ne peuvent pas oublier tout dans le crime international. Ça dépend de lieu d'origine du crime. Le crime a été, apparemment, c'est un très arrivant et vénézuélien qui a été fait des informations. Et son crime qui planifié à partir de la Floride, qui a exécuté Port-au-Prince. Donc, il est très arrivant.
et M. Kaye peut-être et pas une plus d'explication, là la justice peut-être, parce que j'ai attendu déjà, mais ok, puis à l'ouest encore, parce que de toute façon, colonel Rivera qui a arrêté là, il va l'obliger de dire qui est-ce qui écoute, à qui est-ce qui est en contact, qui est-ce qui fait passeport pour lui, qui est-ce qui fait un visa, parce que Colombien pour un visa pour les Haïti, qui est-ce qui est logène, et là il va l'obliger de parler parce que lui connaît effectivement la plus insécurité non prison fédérale américaine. Que la pénitentiaire nationale, pour tenir pas de bail qui a passé, nous voyons déjà comment M. Dragon, officier lieutenant Dragon et commissaire Dragon mourir en prison. Et nous sommes suspects. Donc, nous-mêmes, son dossier même qui est le marqueur, ma suite dossier à maintenant étape par étape, et son dossier va quitter parce que pour moi, son bagage qui est supposé fouetter vraiment honneur tout Haïtien, parce que ça arrive là, Paul va jamais arriver encore. Donc, ma petite la justice fait courir. Moi-même, je fais confiance et à la justice américaine. Je n'ai rien dit, je fais confiance à la justice haïtienne. Mais malheureusement, pendant ces 20 dernières années, les chefs d'État, les chefs de gouvernement, et les sénateurs, nous avons mis faux juges à la Cour de cassation, etc., dans le coup d'appel, etc. Ils ont foiré complètement le système judiciaire. Mais, encore une fois, justement, là, nous gagnons notre transition de route là, car nous début de correction qui a porté dans le système là, et éventuellement nous espérons dans deux ou trois ans, nouveau gouvernement qui a porté gouvernement au service du peuple haïtien. Là, ça peut-être nous gagner finalement l'indépendance réelle des trois pouvoirs, côté un juge et de paix, ou première instance, ou cassation, ou d'appel, a gagné moyen pour le bien. Donc pour l'être correct, pour l'être tranquille, ça aurait été la bonjour Bandéa, pour qu'il fasse travail, mais il connaît que pendant la fête travail avec tout ça, tout honnêteté travail à gagner, mais la bon salaire tout, qui a permis de vivre bien, qui a voulu éviter l'école, pour ne pas obliger à prendre un bloc jaune, nommé des corrupteurs ou des corrompus dans le pays. Donc maintenant, ma campé là sur ça, et ma petite dossier de très près, mais je dis 4 mounes n'ont pas assez, il faut en deux prisons. Qui connaît exactement et comment le crime est planifié, qui connaît deux prisons, qui connaît exactement combien de prisons en deux cas résidents, qui est sur le côté de bail, côté au cartel, et qui connaît le d'actuel président, qui est à deux sur qui est exactement qui est en deux chemins, qui est ce qui est sous gâchette. Donc, c'est autant de, moi, je ne vais pas parler de toi, Pabli, et le commissaire gouvernement, je convoqué déjà parce que je vais montrer que je m'intéresse à ce dossier, et je vais m'intéresser à ce dossier, mais c'est encore une fois, moi, ici, c'est l'inacceptable, président pays, comme citoyen haïtien, comme citoyen haïtien, moi-même, je vais demander justice pour lui, et c'est du fond du cœur, je vais demander justice pour le président. Vous écoutez. Allô? Allô, sénateur? Oui, moi, là, oui. D'accord, très bien. Maintenant, en retourner dans désistement ou se retirer ou démissionner. Nous mettons la position pour le commissaire gouvernement convoqué. Non, c'est bon. Ne vous en faites pas. Maintenant, nous retourner dans le sujet principal là. Oui. Et maintenant, expliquez-nous les causes qui ça même qui conduit à démission, ça, je veux dire. Et l'état qui est explicite, mais comme nous parlons de la population, comme je l'ai dit et tout, comme clairement dit, Montana et Akon a signé il y a à peu près un an et demi, 30 août 2021. Akon a, vous pensez que c'est un accord qui est bien écrit, qui prévoit, il n'y a pas qu'à prévoir tout le bagaille. Même si on continue, il n'y a pas prévoir tout le bagaille, allez voir un accord. Donc nous-mêmes, nous avons dit, mes problèmes qui ont fait à l'époque, mais qui ça, nous proposer aider les pays à sortir de sa LTE en juillet et août, parce que c'est après le président. Mais qui ça, nous proposer pour nous sortir de ça, mais pour nous traiter de rupture. Et monsieur Routoir, qui là, nous connaissons en 2019, nous devons la carrière là, avec une proposition en tant que national, transition de rupture. Nous songeons ça. Nous faisons tout 2019 après nous. 2020, c'est mon proposition et mon hommage à Lionel Trudeau, à Evelyn Trudeau, qui t'a fait le cri du 21 août, Wakaïman, côté que le groupe l'a dit, qui font appel, et côté toute couche de société a été descendue
Parce qu'il y a un signé et document et nous sommes en janvier 2021 que nous, côté nous terrible, nous pouvons constater le mandat président Joseph fini et nous te font proposition, nous dit mais comment nous allons remplacer le président parce que le mandat est fini et pas de gagner ni pour le premier tiers sénat en novembre 2017 et pas de gagner l'élection en novembre 2020 pour le deuxième tiers sénat depuis le sénateur. Ou même dans comme monde qui toujours a réfléchi à ce pays, nous te font proposition et proposition a été signée par des dizaines de partis politiques d'organisation de la ville. Là, encore une fois, il n'y a pas de passé. Et je quand même si avec tout papier, baïonnette, c'est fait. Et il y a même dépensé c'est la force des armes. Et où est-ce que c'est le 7 février? Mais il y a soi-disant dit qu'on pouvait être fait. Côté, il y a arrêté de paisibles citoyens à 3h du matin de Rabonio. Et où est-ce injustice qui fait avec paisibles citoyens et qui a arrêté. Donc, ils ont mis un dans la radio, pas les moutis, parce que 10 ans, moutis 80 ans, qu'ils ont arrêté, et illégalement, ils ont fait 2-3 mois en prison. Et, sans qu'on juge pas ça, eux-mêmes, ils ont tagué, et pour ça, moi-même, j'ai toujours dit, et moi, je dis encore, il n'y a pas de temps pour porter plainte contre l'État haïtien, parce que l'État haïtien privé de droits fondamentaux. Et l'arrestation est illégale, c'est pas pour un flagrant délit, et c'est un dernier cas de nous le prendre à 2h du matin. Donc, les gens ont toujours fait une recommandation pour porter plainte contre l'État. Maintenant, mon gars a fait une proposition. C'est une proposition. Coulez là. Combien d'entités qui ont fait une proposition qui est aussi valable que la. C'est qu'il y a une seule. Tout le monde a parlé à côté de la porte. Il n'y avait qu'une seule autre proposition. Proposition après par nous. Après par nous. C'est M. Ariel Henry, 11 septembre. Qui pratiquement copier tout ça qui est bon, ou mettre à regarder, ou faire comparaison, tout considère tout ça qui est bon dans Montana Libre, et puis il faut bagaille autour de sa personne. Pablier Montana va gagner en question, à quoi Montana va dire non là. C'était même c'est idéal, c'est un principe, nous avons défendu, mais remarquez ça, il y a même, il faut accord, mal fagoté, autour de sa petite personne, et puis il prend, entre guillemets, plusieurs petits racketeurs à droite, à gauche, il mettait des bons bagailles et il promet que va faire élection et avant 2021, il va faire reconstruction avant l'année 2021, il va mettre sécurité dans le pays, il va ouvrir Matissan, il va faire ceci, il va faire cela. Mandez n'importe qui là, aller chercher moniteur ça, vous pouvez publier 15 septembre 2021, ouvrez-le, gardez pour vous, combien d'articles, combien de promessions que Ariel te fait yo qui kebe. Zéro. Ou équipe moun qui fait comme. Et puis a continué. Et puis quand après force yo, Zabay, ministre Abay, finance gang a fait. Et puis, pays a fait bas. Peuple haïtien a fait jeune yo, a quitté parti de papa. Donc nous même Mondana, nous faisons proposition. Qui compte proposition gagne, dit ça. Pour côté nous arriver dans le monde là, oublions, le coup de la nous dit, nous dit, mais ça l'a fait. En janvier, six mois plus tard, nous continuons à mettre à quoi la candidature, nous sommes arrivés pour les élections. N'est-ce pas, Marco? Un, nous faisons élection dans toute entité qui est dans le monde là. Pour chaque monde, ça y a un, deux entités, ils ont fait élection pour y'a voyé où monde entité n'a qu'à être élection. C'est une élection, c'est la première élection, c'est son carré le premier degré. Premier degré va me dire toute population voté. Son premier élection, c'est un, deux ou ensemble. Et là, encore, vous mettez le dictionnaire en poil, son élection au premier degré. Donc, mon 44 membres, ça y a. Gagne peut-être une ou deux qui soit cette élection qui voyait Mounsayo. Et le 30 janvier 2022, 44 Mounsayo y allait en toute transparence, y allait dans l'hôtel Litz, qui dame, le Litz, ils font élection, transparence, voir candidature, 6 candidats, ils font élection.
et c'est pour moi en cachette idée chaque monde a gagné pour lui devant une pour dire mais pour qui est-ce pas voter on pas quoi ça exercice ça comme fait de l'éternel politique en Haïti jamais pas jamais fait ça ne va pas fait tout le monde prend courage à demain mon KNTO yo, pour yo dire publiquement non et puis voter ou deuxième non alors que le manger comme comme même là moi c'était un exemple démocratique mondial. Chemin faisant, un an plus tard, après l'élection, le bureau de suivi de l'accord de Montana a gagné comme une prérogative pour la Tébali, pour aller entrer en consultation, en négociation, pour aller voir dans quelle mesure l'ICA installé deux mesures. Et bien dit, c'est quelle mesure? Il n'y a pas de jambes dire qu'on va installer dans un mois, il n'y a pas de dire dans deux semaines. Donc, on a l'on entré dans les négociations. Le premier bagage qui fait force aux négociations, c'est que deux groupes qui ont négocié, il faut tout de suite faire force. Montana a montré bonne foi, Montana a rencontré tout le monde qui m'a donné une rencontre. Montana a vu notre émission, radio, téléphonique, etc. Tout le monde qui m'a donné une rencontre, nous répondons à une question. C'est comme cela, justement. Entre temps, pour gagner l'autre groupe là lui-même, il gagne un gang. Détal avec. Il y a un corps beaucoup de TDL, il y a une communauté internationale de TDL, il y a une ambassade de TDL, il y a la police en partie, mais bien dit en partie très corrompue, très politisée derrière lui, en partie, et la ville sur la police, elle n'a pas de l'esprit. Il y a l'armée illégale, parce que la loi organique de l'armée d'Haïti ou des forces armées d'Haïti n'existe pas, et tout comme le qui l'a eu, il y a un cas là, AI, illégal tout. Mais il y a tout le monde qui a supporté le gouvernement, parce que le premier ministre a passé dans les rois, il y a parti, ou des généraux de la République qui n'ont pouvoir, qui n'ont poste illégal, qui a déplacé, qui va le saluer, ou un leader illégitime, illégal, écoute. Nous-mêmes, Montana, BSA, a fait ça capable de négociation, à cause de la mauvaise foi des uns et des autres, il n'y a pas de négociation, pas atterri. Et maintenant, je vais vous dire, c'est honnête pour ne pas admettre ça. Peut-être que dans Montana, et dans Bill, peut-être dans BSA, je me félicite pour le travail juste que vous faites. Peut-être que vous avez erreur qui glisse ça et là, et ma ville pour vous avez ça. Et attendez. Donc, nous-mêmes, nous avons été dans Montana, et après l'élection, le 30 juin, le 30 août, nous dit, ok, nous allons célébrer un an. On nous chita, on regarde qui est ouais, qui fait, qui comment nous corriger et ouais, ça y est, comment pour nous canaliser, restart. Et nous corriger ces deux bagages. Et malgré tout, nous continuer à faire négociation. Nous continuer pas à atterrir jusqu'à ce que la situation sécurité d'un pays a vini prendre. Je dis à la nette là, côté monde vient pas qu'à sortir de côté. Tout le monde a fait réunion parce qu'il y a quelques bandits qui décidaient que...